Let's start again. Yop tout le monde, c'est Neski pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve sur Gran Turismo Sport. Donc dans la démo bien entendu, en first vous. Pourquoi? J'avais envie de vous le présenter. Donc voilà. Donc ici vous avez les menus. Donc les menus, voilà tout simplement. Vous avez donc arcade, garage, sport, centrale des marques, salon et donc environnement. Donc voilà, c'est donc Gran Turismo Sport. Franchement, je vais vous donner mes impressions. J'ai quand même 50 km de jeu, donc j'ai quand même 3 ou 4 courses déjà. On va faire une arcade ensemble, histoire, et on va parler ensemble aussi. Et je vais vous donner donc mes impressions. Donc on va faire une course simple, tous ensemble. Donc on va prendre, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va prendre. C'est quoi comme circuit ça? On va pas prendre un trop complexe. On va prendre celui-là, un 0, voilà, tout simplement, et on va rouler de nuit. Allez, on tente de nuit, comme ça vous voyez un petit peu. Quelle voiture prendre? On va pas prendre une du tout début non plus. Alors, on va prendre, allez, la Mitsubishi Lancer Evolution, la finale édition. Donc, attendez, non, quoique, je vais même prendre, je crois, la Mercedes AMG, ouais, la GT3. Donc c'est parti, on va prendre celle-là. Et donc voilà, franchement, moi je suis très satisfait graphiquement et autres. Comment? Ouais, donc graphiquement et autres. Le seul bémol de Gran Turismo, comme vous le savez, c'est. Donc c'est de ne pas avoir les dégâts sur Gran Turismo. Voilà, c'est le simple et unique raison. Alors, j'ai déjà testé le mode multijoueur qui est parfait, franchement. J'adore. J'adore le système. Le chargement aussi que vous entendez qui est vraiment excellent avec les pistons au travail à l'écran. Donc voilà, franchement il y a vraiment du boulot, on voit qu'ils ont travaillé, on voit que oui, il y a du mérite. Et ouais voilà, franchement j'ai déjà eu aussi un kéké français et un kéké espagnol qui m'ont déjà rentré dedans en ligne. Voilà, allez donc c'est parti. Je vais peut-être parler un peu plus fort parce que je sais pas si on m'entendra assez fort. Donc allez, c'est parti. Wow. Donc on va changer de vue, passer un vue intérieur. Comme ça vous voyez un peu. Accrocher le con. Donc on peut mettre les warnings comme vous pouvez voir. Alors on peut mettre un clignotant aussi. C'est très très bien ça, je trouve, la nouvelle option. Donc justement me reprendre une dernière place. Hein, un peu énorme. On voit bien les étincelles quand la voiture frotte bien la terre. Thank you.
moi tout à l'heure. On va rentrer dedans, mon enfoiré. Désolé mec, mais... Ah putain, qu'est-ce qui me gave. C'est pas très très bien, le circuit n'est pas bon du tout, je Ah bah 15 tours, bah ça va vite. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu. J'ai choisi aussi l'intermédiaire, donc là où les pilotes sont assez costauds, on va dire. Donc j'ai pas gagné grand chose. Donc voilà, hop, on passe niveau 2. Donc voilà, franchement, je kiffe, honnêtement. Donc on va faire une autre course, histoire que vous puissiez un petit peu regarder. Hop, qu'est-ce qu'on va faire? Mode campagne. Expérience, école de conduite, donc voilà, ça c'est le mode campagne. Apprendre les bases de conduite et remplir des diverses missions. Donc je trouve pas ça intéressant. Participer à une course en ligne officielle, donc c'est ça que je fais. Salon, donc ça c'est les salons où ce que les gens peuvent participer. Donc on va reprendre une arcade, course personnalisée, deux joueurs, écran partagé, donc vous voyez un petit peu expérience VR. Il n'y a pas grand chose sur la bêta. Donc on va se refaire une petite course simple. Pas sur celui-là. Non, pas celui-là non plus. Celui-là c'est le même. C'est quoi ça? C'est du rallye. Ah ouais, c'est du rallye. Allez, on va se faire donc... celui-là. Bim, c'est parti. Donc, on va prendre la M4. Allez, la M4. On va en M4. On la prend en rouge comme les skis. Donc, automatique. On va prendre intermédiaire. On va pas prendre. On va pas tenter trop la diable, on va dire. Donc, allez, c'est parti. Donc comme vous avez pu constater que bah, c'est vraiment vraiment un très bon jeu. Comme je l'ai déjà dit sur mes lives et dans la vidéo FS, une vidéo FS intitulée des tonnes de patates, là où j'avais dit déjà que j'avais commencé, j'étais sur le 4 je crois, 3 ou 4, ouais voilà. Qui était vraiment pas mal déjà à l'époque et maintenant voilà. Donc il y en a ceux qui vont dire, ouais, vaut mieux Forza et autres. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais j'ai testé Forza. Et franchement, au volant, c'est de la merde. Donc alors, voilà. Paramètres de la voiture, paramètres de la conduite. Contrôle d'action. On peut pas mettre... Ah, voilà, on va mettre les sportantes. Hein, on va mettre... Ça glissera un petit peu moins. Allez, donc on y va. Démarrage, c'est parti. On regarde ensemble la BM. On va conduire en vue intérieure, les gars. Donc, vous voyez les warnings, on peut les mettre. Oh putain, je vais freiner. Alors on voit du pâté hein, la voiture les gars. Ah, la M4 c'est du lourd. Hein. Désolé pour
Oh, comme toi, mec, hein, oh! J'étais un peu trop vite. Ah, j'ai pas encore l'habitude du jeu, les gars, donc c'est normal, mais on voulait pas. La vue intérieure est très très belle, j'aime bien. Ils ont bien, vraiment bien travaillé. Donc il y a deux tours. C'est parfait, on y va les gars. Quatrième. Ah, elle part, hein. Ah, elle part là-bas. Désolé pour vous, les amis derrière, mais oui. J'ai pas freiné, donc voilà. Allez, donc on essaie de fumer ceux-là. Dernière ligne droite, les potos. Désolé pour toi la porte. Je te mets un coup, un petit bisou. Donc je suis premier, disons en trichant un petit peu quand même. J'ai pas le contrôle total du véhicule aussi, on dirait on freine à ma place, donc il y a des paramètres à régler. Et bon, là j'ai voulu vous présenter cette vidéo, donc j'ai pas eu le temps de chipoter aux paramètres. Donc voilà, les warnings se mettent, je trouve vraiment ça génial. Stylé, voilà, la M4 coupée de 2014. Vraiment une belle caisse les amis. Voilà, donc on gagne crédit, des points de mine. Donc ça c'est pour acheter dans les boutiques, c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est les kilomètres et ça c'est le level. Voilà, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros like, à la partager avec vos amis, à mettre, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis ciao et bye bye pour d'autres vidéos les potes.
je dis pouce, vous dites bleu. Pouce bleu, pouce bleu. T'as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu. Pouce bleu.